4 heures par jour, il aide les habitants à monter les packs d'eau, les poussettes et les sacs de course. Oui, merci, c'est gentil. Il y a des choses, comme des poussettes comme ça. Excusez-moi, il y a un autre téléphone qui m'a fait, voilà. Parfois, certains abusent un peu. Comme cette dame au téléphone qui habite au 8e étage et qui lui demande de venir chercher un sac de ciment. Mais Nasser est là pour monter les courses, pas pour les descendre. Non, 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 madame. On n'aide pas les gens qui là-haut descendent des sacs ou bien des choses comme ça. T'as compris? Au revoir, salut. Vous avez compris maintenant? Vous avez compris? Nasser soulage comme il peut les 5000 habitants du Chêne Pointu qui vivent dans une des cités les plus délabrées de France. Nous sommes à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, dans ce qui n'est pas une HLM, mais une copropriété en faillite, offrant un spectacle de désolation. Une carcasse de voiture sur le parking, des allées transformées en dépotoirs et des bâtiments qui tombent en ruine. Dans les halls, les vitres sont brisées, les boîtes aux lettres arrachées et les ascenseurs sont condamnés. Les caves inondées ne sont plus accessibles et le dernier étage de cette cage d'escalier sert d'abri de fortune pour un SDF. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, le Chêne Pointu était une résidence coquette. Un âge d'or qu'ont bien connu Madeleine et Lucienne qui vivent ici depuis 40 ans. Aujourd'hui, elles en sont réduites à constater les dégâts. Moi, ce que j'aime, c'est la beauté du plafond. Franchement, c'est lamentable. Ils arrachent les poutres. Et un petit gosse, l'autre jour, qui tirait sur une. Je dis, mais faut pas casser le plafond comme ça. Si, mon papa, eh ben, il les met à la maison. Ça y est, pour faire les plaintes. Voilà. Et bientôt, regardez, ça risque de brûler un jour. Les fils électriques, l'eau, tout est mélangé. C'est de pire en pire. Les deux voisines de 70 et 76 ans doivent monter les 6 étages à pied, malgré leurs ennuis de santé. Je suis opérée de la jambe, mais c'est la hanche qui me fait mal. La jambe, le bassin, l'épaule, fracturée. Chaque jour, la situation se dégrade un peu plus. Ce matin, c'est une marche au 5e qui menace de lâcher. Allez, ça. Tout tombe à n'importe comment. Ah ouais. Il n'y a pas d'ascenseur et bientôt il n'y aura plus d'escalier non plus. Tu mangeras pas tout le temps. Oh, bah dis donc, on va s'asseoir 5 minutes. Hein. Madeleine, couturière à la retraite, a acheté avec son mari cet appartement de 56 mètres carrés en 1969. Ils y ont élevé leurs deux enfants. Quand on est arrivé ici, c'était tout neuf. Moi, je vivais heureuse ici parce que, regardez, vous ne croyez pas qu'on a une belle vue? Regardez cette belle forêt qu'on a là, avec un étang autour. Quand on était jeune, on se mettait en maillot de bain là-bas. Ah là 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 là. Et c'était vraiment un paradis ici. La résidence a été construite au début des années 60. Au départ, avec ses appartements lumineux et modernes, ses stores aux fenêtres, ses jardins aménagés avec des parterres de fleurs, cet ensemble est un rêve d'accession à la propriété. Des fonctionnaires, des commerçants s'y installent. Mais progressivement, cette classe moyenne est remplacée par une population plus pauvre. Beaucoup de propriétaires n'habitent plus sur place et ne payent plus leurs charges. La copropriété dégringole. On avait tout pour être heureux. Bonne ambiance. Ah oui, ouais, ouais. Mais maintenant, ben, y a pas d'ascenseur, alors les gens, ben, je balance tout par les fenêtres. Mes enfants ne viennent plus, mes petits-enfants ne viennent plus. Bon, ben, quand il y avait l'ascenseur, les gens prennent l'ascenseur, montent, descendent à votre étage, ça va. Mais là, quand ils disent, oh, dis donc, qu'est-ce que c'est ça, là en bas, puis t'as vu au premier, puis au deuxième, je n'invite plus. On vit reclus chez nous. Et pourtant, son immeuble dont elle a honte lui coûte très cher. Car un tiers seulement des propriétaires payent leurs charges, et celles-ci sont aussi élevées que pour une résidence haut de gamme. Ascenseur, bâtiment, Gexio. Mais on n'a pas d'ascenseur. On ne sait pas pourquoi. Il y a toujours des rappels à payer, c'est pas difficile. Fond de parabole. Il n'est pas mis encore. J'ai pas de parabole. Remplacement fenêtre. On m'a jamais remplacé de fenêtre, moi. On ne sait pas lesquelles. Mais on se fait avoir, mais avoir comme il n'est pas possible. Regardez, là, il y avait 1022 à payer, là. Je veux bien les payer, mais je les paye en trois fois.
Et à votre avis, pourquoi les charges sont si chères? Parce qu'il nous faut payer pour ceux qui ne payent pas. Et madame, vous touchez combien de retraite? C'est entre 1000 et 1200. Alors quand vous avez une facture... C'est la moitié à chaque fois qu'ils s'en vont. Ah ben... C'est ça qu'on fait en trois fois. Vous savez, nous, on ne va jamais au cinéma, jamais au théâtre. Notre seul plaisir, c'est d'aller se promener en voiture. Voilà. Et encore, en ce moment, avec l'essence, on restreint. On n'y va pas trop. Tu vois, si j'avais un vœu à faire, moi, je demanderais... Qu'est-ce que tu préfères, toi? La porte en bas ou l'ascenseur? L'ascenseur. L'ascenseur, hein? En bas. Oui. Ben toi, l'ascenseur et moi, la porte. Alors comme ça, s'ils font les deux... Y aurait-il moyen d'obliger tous les propriétaires à payer leurs charges et ainsi permettre de rénover les immeubles? Le syndic a refusé de répondre à nos questions. En attendant, la dette est telle qu'il n'y a même plus de gardien à demeure. Il y a tout de même Bénédicte, qui vient quelques heures par jour pour gérer les urgences. Et aujourd'hui, il va falloir qu'elle ait le cœur bien accroché. Oh là 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 là. Il y a de la merde, fais gaffe, ça glisse. Oh là 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 là. Putain, j'aurais dû mettre une tenue de combat, moi. On a des toilettes qui refoulent, là. Ça fait déjà 4 fois. Donc, évidemment, ça s'évacue dans les escaliers. Ah. Donc, des fois, c'est de l'eau propre. Et puis, malheureusement, là, c'est de la merde. Donc, puis c'est souvent, quoi. C'est souvent. Alors, faut savoir qu'ici, les gens, ils jettent n'importe quoi dans les toilettes. On peut avoir des carcasses de poulet. Donc, au bout d'un moment, c'est bouché. Hein. Bonjour. Donc, il n'y a pas d'ascenseur. Les gens, ils marchent dedans. S'ils tombent, en plus, parce que... Donc, voilà. Et chez vous, vous n'avez pas eu de dégâts? À cause d'une évacuation bouchée, les eaux usées remontent par les toilettes de cette dame. Elle a tenté de stopper l'inondation en mettant un drap dans la cuvette. C'est bien bloqué. Non, regardez. Oh là 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 là. Donc c'est toujours pas débouché. Donc ça va recommencer dans l'escalier. Bénédicte, qui a vécu au Chêne Pointu une vingtaine d'années, ne s'étonne même plus de cette situation surréaliste. Non, non, faites attention, longez les murs. Attendez un petit peu, madame, parce que ça glisse tellement. Il y a du papier à toilette d'accrocher, là. Ça colle, hein. Faites attention, hein. Les habitants remontent chez eux, comme si tout cela était normal. Plus personne ne se plaint, car ce genre de problème est quasi quotidien. Là, regarde les rampes. Tout est plein de merde. Faites attention. Et là, en plus, c'est les vacances, donc les enfants montent, ils descendent. Donc, ça doit être super beau, quoi, dans les appartements. Et dis-leur qu'ils mettent des serpillères devant chez eux, hein. Moi, je plains les gens ici. Hein. L'eau sale est ensuite poussée au fond des caves, déjà inondées. Un peu plus d'eau, un peu moins, ça se verra pas. Les habitants peuvent-ils échapper à cet enfer? Près de 3/4 sont des locataires, des familles souvent étrangères qui n'ont pas les moyens de louer un appartement ailleurs. Les quelques propriétaires qui vivent sur place cherchent à se débarrasser de leurs biens, souvent en vain. Abdullah Azgul rêve de quitter définitivement le Chêne Pointu pour offrir un meilleur cadre de vie à ses 4 enfants. Ce technicien chez Air France vit d'ores et déjà dans un autre appartement qu'il loue à des kilomètres de là. Mais le plus dur reste à faire, vendre son 3 pièces de 56 mètres carrés. Car pour un 10e étage sans ascenseur, les acheteurs ne se bousculent pas. Vous avez combien de visites? Il y a des visites, mais bon, ils ont peur de la caisse d'escalier. Il y en a, ils viennent sans monter, ils ont peur des escaliers.